Dans les veines de la baleine, il y a bien entendu la vie qui coule dedans. Mais quand les chasseurs entre eux parlaient de la vie, ils faisaient plutôt allusion à l'endroit vulnérable où le harpon perçait l'art, le muscle, tranchait les artères puis crevait les poumons. Alors la baleine roulait sur elle-même de l'agonie à la mort et tout autour d'elle, les chasseurs brandissaient bras dans les airs en signe de victoire puis criaient « Regardez! Elle va fleurir! La baleine va fleurir! » Et le dernier souffle qui sortait par les vents, c'était la fleur mortelle qui tachait le bleu du ciel puis qui retombait en pluie sur le visage puis la barbe des chasseurs. Mais il y a une légende. Une légende qui prétend que celui ou celle qui harponne la vie, celui ou celle qui donne la mort à la baleine, si il y a la malencontreuse idée de croiser le regard de celle qui est en train de mourir, eh bien, ce chasseur devient complètement fou. Il entend le chant des sirènes et son corps. Passe par-dessus bord, puis revient jamais au port. Eh bien, en 1604, j'étais pas là. Mais il est arrivé un grand baleinier dans le petit havre de Tadoussac. Il y a deux chaloupes qui se mettent à l'eau, puis dans l'une des chaloupes, eh bien, il y a le capitaine, une armoire à glace, 6 pieds 4, 250 livres, œil balafré, une jambe de bois. Et il pousse la porte du poste de traite. Puis à l'intérieur, il dit « Maître Chauvin, j'ai besoin de 55 peaux de caribou, 35 velours de castor et 60 paires de mocassins. Également les vivres nécessaires pour 22 jours en haute mer et 25 barils d'eau potable. Nous revenons du Mexique et la pêche au cachalot s'est avérée meurtrière. Une de ces baleines a fracassé chaloupe et 10 de mes meilleurs chasseurs sont morts. Connaîtriez-vous un bon harponneur, Maître Chauvin? Capitaine, pour les fourrures, aucun problème. Les vivres, nous avons tout le nécessaire, mais un bon harponneur. Si j'étais vous, j'irais voir Pomerleau. Il a l'œil rapide, c'est un chasseur hors pair. Il fera votre affaire. » Alors le troc est conclu. Puis le capitaine vire loft pour loft. Et puis il s'en va rencontrer Monsieur Pomerleau. J'ai entendu dire que vous étiez un bon harponneur et j'aurais grandement besoin de vos services. Nous avons aperçu non loin de la Terre-Neuve un troupeau de baleines à sourire, une soixantaine. Beaucoup d'argent, monsieur. Qu'en dites-vous? Eh bien, Pomerleau, qui était un pauvre chasseur des échouries, voyait la chance du sourire comme une baleine franche. Avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Le lendemain matin, on entendait le cri puis les appels des marins. « Ohé, marin, vire au guindon! Ohé, marin, ici les voilures! Nous partons pour l'Arctique! »
tranquillement, le grand baleinier quitta la baie. Sur la grève, mouchoir blanc flottant dans les airs. Puis dès que le navire prit le large, dans ses grands filets, le vent a été prisonnier. Et c'est comme ça que Pomerleau était parti pour le nord. Un hardi des gars viraux, guindeaux, goodbye, farewell, goodbye, farewell. Un hardi des gars, adieu, Bordeaux, hurrah au Mexico. Oh, oh, oh. Au Cap Horn-il ne fera pas chaud, all the way, hey, sous la chalet. À faire la pêche au cachalot, à Almatelot et au ICO. Plus d'un îlet sera sa peau. Goodbye, farewell, goodbye, farewell. Ses premiers brins de matelot, hurra au Mexico. Oh, oh, oh. Et nous irons à Valparaiso, all the way, hey, sous la chalet. Où d'autres laisseront leurs os, Almatelot et au ICO. Almatelot et au ICO. Ça fait une quinzaine de jours qu'ils n'ont pas vu la terre. Le détroit de Belle-Île est loin derrière, et doucement les premiers grands icebergs, les cathédrales de glace qui glissent sur le dos de l'eau. La nuit, nuit qui est noire comme un drap de velours enrobe le bateau, et Pomerleau est avec le restant de l'équipage dans la cale. Ils sont dans leur hamac et puis ils suivent le swell puis la houle. Mais Pomerleau a de la difficulté d'atteindre le sommeil quand soudain, il y a des gémissements, il y a des plaintes qui envahissent les lieux. Grands ouverts dans le noir, avec la peur de mourir, ils se bouchent les abysses, convaincus d'entendre les fabuleuses sirènes d'Ulysse. Mais l'ambition le gagne, et puis il monte marche par marche pour le premier pont, afin de voir l'une de ces créatures qu'on dit fabuleuses. Et au bout du navire, il y a une ombre. Il y a une ombre dans la nuit. Pomerleau s'approche doucement, catimini, sans faire de bruit. Puis la créature sent derrière elle la présence. Puis elle se retourne, puis elle regarde Pomerleau en lui disant « Qu'est-ce que tu veux, Pomerleau? » « Oh, capitaine! Capitaine! Oh, capitaine! Capitaine! J'entends les sirènes! Les auriez-vous vues quelque part? » « Les sirènes! Ce que tu entends, Pomerleau, c'est le chant mélodieux des baleines. Elles sont là quelque part dans la nuit. Ouvre les yeux. » « Mais capitaine! » « Je ne vois même pas un iceberg. Comment verrai-je le souffle d'une baleine? » Pomerleau, va derrière le bateau, tu comprendras. » Et bien, quand il fut rendu derrière, ce qu'il voyait, c'était la trace du sillage laissé par le navire, mais lumineuse, lumineuse comme une émeraude. En fait, le bateau traversait les grandes nappes de plancton phosphorescent. 1 000 milliards de lucioles, non pas dans les airs, mais dans la mer. Puis du haut de ses 6 pieds 4,
Le capitaine lui disait, « Je ne sais pas quelles sont ces eaux magiques, Pomerlo, mais les baleines en sont friandes, elles l'aspirent, et quand elles la recrachent dans les ténèbres, nous voyons des fontaines de lumière dans la nuit. Ouvre les yeux. » Pomerlo, deux yeux braqués dans le noir, en deux icebergs, le souffle d'une quinzaine de baleines. Puis voilà que vire le navire, louvoyant voilure au vent, de banquise en banquise, à la poursuite des souffles lumineux, à travers les immenses glaces, la coque du navire craque, puis s'arrête devant l'entrée d'une chapelle de glace, mais gigantesque. Et là, était réuni le grand troupeau qui soufflait, des geysers lumineux à travers les colonnes, les fresques, puis un chant cathédral si puissant éblouissait les yeux des chasseurs. La beauté du monde. Mais derrière, comme un couteau de chasse, allez dormir. Demain, vous verrez les baleines fleurir. Ben, ça n'a pas bien dormi. L'adrénaline au pouce carré, les images de la chasse imminente du lendemain, plusieurs d'entre eux savaient qu'ils ne remettraient jamais les pieds sur le continent. Puis avant même qu'Aurore aux doigts de rose ait fini de trôner, eh bien, déjà sur le premier pont, c'était le branle-bas. On empilait les cordages, on les roulait dans les caissons, on empilait les harpons galvanisés quand soudain, le fameux cri de la vigie se fait entendre. « Capitaine! Capitaine! Elle souffle, capitaine! Elle souffle! Pas le bas de combat! Dépêchez-vous! Balayeur à la mer! Sortez les rames! » Et rapidement, la chaloupe de Pomerlo rattrape le troupeau de baleines à sourire qui tentait en vain de s'enfuir. Et enfin, le premier grand dos noir est à portée de tir. Pomerlo, harpon en main, un temps, un élan. Pique la baleine! Rentrez les rames! Accrochez-vous! Parce que piqué au vif, la baleine, elle, accélère. Deux hommes sont mandatés devant bout de nez de baleinière pour mouiller sans cesse le cordage qui déroule à une vitesse sur le bout en bois. Et puis on dit friction, friction, chaleur, chaleur, combustion, combustion, feu, puis bouf! Ensuite, si ton pied est mal placé, ben dans les cordages, tu vas faire un beau grand cerf-volant qui va aller voir le fond de l'océan. Et quand il n'y a plus de cordes, eh bien, les marins étaient emportés pendant 3 heures et demie à faire des sauts de crapaud sur la mer. Mais à chaque surface où respirait la baleine, Pomerlo, lui, lançait les harpons qui se plantaient dans les chairs vives de son dos, perdant son souffle, perdant son sang. Eh bien, la baleine a décidé de plonger. Où est-elle passée? Je ne sais pas, capitaine. Et le cordage, raide comme une barre de fer, capitaine. La baleine est sous nos pieds. La baleine est sous nos pieds. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à faire par Jonas? Du calme, marin, du calme. Puis avec la puissance
Eh bien, la baleine, elle, tentait sa dernière chance. Rejoindre le fond de l'océan, puis tout ce qui était rattaché derrière suivrait par devant. Alors, les bouts de nez de baleinière enfonçaient dans la mer, et comme des bougies, au lieu de couler par en haut, ça coulait par en bas. L'eau montait, les chasseurs avaient plus le choix, dernier retranchement, derrière, tout le monde derrière! Puis ça s'empilait. Pour tenter de faire le contrepoids. Et il parvenait de temps à autre, parce que le hasard ou le destin leur souriait, les baleinières revenaient sur le dos de la mer à l'horizon. Les cordages étaient inertes, on scrutait, on balayait, bâbord, tribord, et c'est là qu'il y avait une grande tache de sang, mais grande comme l'océan. Puis le grand paquebot géant faisait surface. La baleine roulait comme un tonneau, puis à chaque fois qu'elle faisait un tour, elle offrait sa vie, l'endroit fatal. Puis Pomerleau, lui, est en train de compter deux, trois, puis soudain, il décoche. Puis l'harpon file, fuse, puis transperce la vie de la baleine. Et Pomerleau, de son bord, il a baissé la tête, il a fermé les yeux, puis tout autour de lui, ça a été l'enthousiasme. On a senti les cris de joie. « Tu l'as eu, Pomerleau, tu l'as eu! » Puis regardez, la baleine va fleurir! Et Pomerleau, qui n'a jamais vu baleine fleurir de sa vie, n'a pas été capable de se retenir, puis... Il a rouvert les yeux, il a vu la grande fleur rouge tacher le bleu du ciel, puis fier, heureux d'être avec ses compagnons. Quand il a déviré la tête, eh bien, son regard a croisé l'œil mourant de la baleine. Alors, le vent du nord s'est soulevé. Il est rentré par en dedans, il a senti son âme se crisper, il en a lâché son cordage, puis... Il ne s'est rien passé. L'œil de la baleine, le chant des sirènes, les hommes qui deviennent fous, qui passent par-dessus bord. Tout s'est calmé. Puis en dedans de lui, il s'est écrié « Baliverne! » Alors, avec le restant de l'équipage qui n'avait rien vu de ce qui venait de se passer, il a repris son quartier de travail, puis la grande baleine... Ils l'ont remorqué jusqu'au baleinier où elle a été débitée, mise en quartier de l'art. On a grappiné, palanté, filinté, redescendu dans les grosses marmites de sorcières. Et là, ça a été le fricot. Et puis, le lard qui fondait, on filtrait. De filtration en filtration, ça devenait clair comme de l'eau de roche. C'était l'huile. L'huile qu'ils allaient chercher dans les eaux lumineuses du nord, l'huile qui valait plus que l'or, mise en barrique. Et puis quand on dit « bonne fête », on dit « Jamaïque ». Fait qu'il y a eu trois petits barils de rhum à 75 degrés Celsius qui s'est fait monter quand il a fait moins 54 dehors. T'as l'amplitude à peu près à 120 degrés Celsius. Le petit verre, il réchauffe par en dedans jusque dans le fond des orteils. Puis pendant que la liesse, puis pendant que les gens étaient en train de fêter, on félicitait Pomerleau. On n'avait jamais vu un si bon harponneur, une trempe d'acier comme ça. Puis lui, pendant qu'il recevait les félicitations, soudain, il a ressenti le même vent. Mais un vent qui frappait personne, un vent qui ne faisait pas broncher ni cheveux, ni sourcils des autres compagnons, mais un vent qui lui rentrait par en dedans. Tellement froid qu'il en a échappé son godet, qui est allé se fracasser à ses pieds. Il a regrimpé le sourire, il a regardé ses compagnons, puis il se disait « Fais semblant de rien, fais semblant de rien. » Alors il s'est déguisé en courant d'air. Les autres, fiers à bras, ont été fêtés vers la proue, puis lui, il est descendu dans la cale. Il s'est blotti dans son hamac, en se répétant « La nuit va te faire du bien. »
la nuit va te faire du bien. Eh bien, la nuit venue, Pomerleau grelottait, il claquait des dents, il pleurait, suait, et de peine et de misère, il s'est levé pour aller prendre un peu de vent. Mais ses pas ont fait craquer le bois. Assez pour réveiller des compagnons qui étaient dans la brume du rhum. Assez pour que les compagnons intrigués se lèvent et décident de le suivre. Et rendus à la même hauteur, ils ont réalisé que Pomerleau était complètement fou. Ils voyaient qu'il courait. Il courait sur les rebords du navire, à un pas de la mort, à un doigt des eaux glaciales. Alors, les compagnons réveillés ont tenté de le saisir, de le maîtriser. Puis, mais Pomerleau, lui, fou comme un diable dans un bénitier, je lui se défaisais de l'autre. Puis le v'là qui était rendu en haut du grand mât, puis qui s'époumonnait comme un damné. « J'entends les sirènes! » Complètement fou, déluré. « Elle m'appelle! » Puis les compagnons qui disaient « Non, Pomerleau, c'est les baleines! Descends, Pomerleau, descends! » Puis Pomerleau s'est lancé du haut en bas du navire. On a entendu « Un homme à la mer! Vite, une baleinière! » On a dépêché une équipe de survie à travers les bourdignons, le phrasile, à travers tous ces noms de glace que ma génération a oubliés, à travers tous ces mots qui ont disparu comme neige au soleil. Ils ont été à travers les icebergs et ils ont rapporté un vêtement de cuir et deux mocassins, mais pas d'homme. Alors le baleinier, lui, a tourné le dos au nord pour mettre le cap vers des eaux et des températures plus clémentes en laissant derrière un autre homme à la mer. Et Pomerleau, il était là, dans l'eau. Il était roulé, il était renversé. Il était chahuté par la houle glaciale, puis il savait... Il savait que le froid allait doucement lui donner la mort la plus douce, le privilège de mourir par le froid. Et comme la mort faisait son chemin au loin, il a vu apparaître dans le ciel des grandes fontaines de lumière. Puis il reconnaissait le troupeau de baleines qui nageait dans sa direction. Puis Pomerleau, il voyait ses bourreaux qui venaient le tourmenter pour une dernière fois. Alors la peur l'a envahi. Il a ouvert la bouche grande comme une caverne. Il a laissé l'eau glaciale s'engouffrer en lui, puis il sentait sa langue rose épaissir, puis son corps qui enflait de toutes parts. Allongé dans l'eau, Pomerleau pesait 130 tonnes, un grand sourire, des grandes nageoires. Il souffle. Et il plonge dans l'univers des eaux. Puis au loin, le chant mélodieux des baleines qui l'appelaient le guidait. Et pour la dernière fois de sa vie, il a crié.